Nous sommes le vendredi 4 mars 2016 et c'est le vlog numéro 133 je crois. Il est 18h47 et je viens de finir mon sport parce que je l'avais commencé avant que Noli arrive mais j'avais pas eu le temps de le terminer donc là ça y est. Je l'ai terminé, Noli est là en train de regarder des trucs très intéressants sur 9 gags. C'est ça ? C'est cela. Et on est sorti aussi pour acheter des trucs pour ce week-end. Mais je ne le montrerai pas tout de suite. Je le montrerai sûrement demain. Et là, on va aller goûter la Fuji Box. J'ai montré ça à Noli, il a regardé ça avec des grands points d'interrogation dans ses yeux. Du coup, on va goûter ça, voir si c'est bon. Tu es motivé, Noli ? Bien sûr, dit-il, regard en coin, pas très sûr de lui. Très bien. Eh ben, on va goûter ça. Mais lis pas ! C'est censé être la surprise. Ah bon ? Mais oui, je t'ai dit que je voulais pas lire. Très bien, mais moi je lis. Moi, non, tu lis pas ! Tu goûtes avec moi ! Non ! Alors, Noli, es-tu prêt à goûter cette Fuji Box ? La Fuji Box par E-Tech Box avec plein de petits produits japonais dedans qu'on connaît pas. Bien sûr. Alors, par quoi tu veux commencer ? Par ces trucs délicieusement pas bon. Tu veux commencer par le truc qu'on sait pas ce que c'est et il faut te faire cuire. Ok, alors c'est le truc qui ressemblait à des ramen. Enfin, c'est susceptible de ressembler à des ramen. Je sais pas du coup comment c'est fait à l'intérieur. Ça a l'air super. Vas-y, ouvre-le. C'est toi qui l'ouvre. Tu gardes pas le sachet ? Non, je garde pas le sachet. J'ouvrirai les trucs qui gardent le sachet. Comment c'est fait ? Ah mais c'est tout petit ! Ah mais c'est tout petit ! Mais on dirait de la pâte à modeler. J'ai un fluide. Je suis pas pleinement convaincue que ce soit vraiment une... Ah c'est pour faire de la pâte. Je suis... C'est trop bizarre. Alors là, il y a un sachet vide. C'est pour faire des raviolis. Là il y a de la poudre, là il y a de la poudre, là il y a de la poudre, là il y a un truc. On dirait que t'as tout sauf les pâtes. Mais c'est ça, je comprends pas. C'est juste, pour, là, faire... En fait, c'est juste pour faire les raviolis, c'est pas du tout pour faire les raviolis, c'est pour accompagner les raviolis. Ils ont mis des tout petits pics, c'est des petits cure-dents. Ils ont pas mis. Non, c'est pas les. Non, ils les ont emballés, ils ont tout emballé. Séparément. Oui, c'est bizarre, mais alors là, franchement, mec, je sais pas du tout. Alors apparemment. C'est pour une kitchen. Non mais c'est ça. Pour une dinette. Je sais pas. Ah mais regarde. Il y a différents. Regarde là ils disent qu'il faut mettre de l'eau et qu'il faut mélanger avec un sachet. Mais je sais pas lequel. C'est le regarde. Il y a un sachet qu'il faut mettre là-dedans. Je crois que c'est ça les pâtes. Un sachet qu'il faut mettre là-dedans. Et après. Oh là là mais je comprends pas. Il faut trouver. Oh là là, mais attends, mais. Attends. Déjà, je prends l'espèce de truc qui ressemble à de la pâte à modeler. Et il faut que je fasse deux boules. Que je mets où ? Oh, ça pue la fraise tagada, mon gars ! Chewing gum fraise tagada. Oh la vache ! Et il faut mettre là, là. Ah, mais c'est ça. Il faut que j'en prenne un bout. Que j'en fasse une petite boule. J'en fais une petite boule et je le mets là, là. Et j'aplatis pour que ça prenne la forme, je crois. Bah ça va, hein. T'as qu'à faire si t'es pas content. Ah non. Moi je fais pas, moi je regarde. Moi je m'appelle Nelly. Je regarde et je me moque des gens. Ok, le premier ennemi. Je prends une deuxième boule. Oh putain, j'ai les doigts qui puent le chewing-gum fraise tagada quoi. Je suis pas pleinement convaincue de... Ah non, 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 on goûte à deux mecs. Hein. Non, eh oh, je me fais pas chier à faire un truc pour que... Mais oui, mais c'est marrant, hein. C'est pas ma faute, je savais pas ce qu'il y aurait dans la...
J'ai plus l'impression de jouer à de la pâte. Ça, c'est le bol de pâte, ça. Mais oui, mais c'est tout petit. Mais... Non, et, mais ça, je... et ça, c'est les pâtes. Ça, c'est les pâtes, t'es sûr? J'ai l'impression que c'est les pâtes. Non, c'est ça, les pâtes. Ah ouais? Mais, ben, y a des pâtes dessinées dessus. Ça, c'est la poudre. Mais c'est que de la poudre, tout, c'est de la... Putain, mais... Ça ressemble à des... Non, mais ça va pas du tout. C'est... Mais je galère tellement. Le truc, il est en train de se trouer, mon gars. Alors déjà, si jamais vous le voyez un jour en magasin, ne l'achetez pas parce que c'est trop chiant à faire. Moi, je croyais que ça allait être salé. Je m'attendais à un truc trop bon. Putain, je suis trop méga d'ess. J'aurais dû prendre ce truc en dernier. Je vais mettre de la petite fourchette parce que j'ai trop les doigts qui collent au machin. C'est juste pas possible. J'ai vraiment l'impression de faire la pâte à modeler, comment ça s'appelle là. Puis après on fait cuire, on fait des figurines avec. Pâte à sel. Non, pas de la pâte à sel. La pâte... Je sais plus comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle, dites-moi. J'ai oublié, j'en ai pourtant. J'ai déjà fait des figurines Pokémon. La figurine métamorphe, là, je l'ai fait avec. C'est des pâtes colorées. Bon bah voilà, j'ai mis la pâte et comment te dire que pour le moment, je sais pas trop quoi faire d'autre. Oh. Mais c'est... C'est pour les chats. On dirait des trucs pour poissons là. C'est bien, il y a des petits trucs verts, on dirait genre que c'est des petits pois. Mais en fait non. Oh là là mec, ça a l'air tellement pas bon. Non. Moi je mangerais pas ça à la place. Hein. Ah, c'est pour fermer les petits... Ouais mais... Les strings. Bah... Ça colle pas du tout. Je pense que t'es censé faire deux raviolis avec. Non, 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 c'est pas possible, y'a qu'une seule pâte. Mais non, regarde. Non, mais j'ai déjà galéré. Oh putain, mais mec. Non, mais. Non, moi, je suis pour mettre ça à la poubelle. On gâchera pas, on goûtera. Non. Si, on goûtera. Ça se trouve, c'est vachement bon. Mais non, bah, je le saurai jamais, hein. Oh là là, mais ça ressemble pas du tout à un ravioli. Mais y'a pas assez de pâte pour faire les raviolis là. Ça ressemble à rien. Non, non, c'est plus fin que ça. Ah non, mais trop fin, ça se déchire, ça colle aux doigts. Ouais, je vois. Donc c'est juste pas possible. J'ai mis de l'eau dans celui-là. Et je vais ajouter le paquet où il y a le petit dessin des nouilles dedans. Si je trouve l'ouverture. Ça a l'air tellement chimique, mon gars. C'est un médicament. On est grave, ça m'inspire tellement pas. Ça se gélifie. C'est vrai? Ouais. Putain, mais il y en a tellement! Regarde la texture de l'eau au-dessus. Comment ça fait bizarre? Attends, je vais essayer de prendre un petit peu d'eau pour... T'as vu? Comment au-dessus ça s'est gélifié? Ah oh non mais mec... Ça se trouve c'est un jaune d'œuf quoi. Je pense pas. Hein. Non, là c'est bon. Je vais mélanger avec, avec la petite fourchette. On a la petite fourchette, profitons-en. Oh putain, j'ai failli. Ça a failli être... Oh là, mais c'est tellement gélatineux. Non, mais... T'as craché dedans, c'est ça? Oh, merci. On dirait... D'abord. On dirait une espèce de compote bien chimique. Oh,
Oh, mais ça pue la fraise tagada. Mais un truc de fou. Ça me ramène à les chewing-gum. En fait, ça a la même odeur que ça. Que l'espèce de petit ramen dégueulasse là. Bon, bah voilà, ça s'est mélangé. Maintenant, on va prendre ça là. Et on va faire un trou dans le coin. Là où il y a la flèche qui dit de faire un trou dans le coin. Ah oui ? Je te jure. Voilà. Et on va prendre notre contenu et le mettre dans notre contenant. Bien, monsieur. Ça va couler tout seul. Non, pas vraiment, parce que ça veut pas trop tomber en fait. Mmh. Ça a l'air tellement pas bon. Non. Ah, c'est pour faire un pochoir. Oui. Les mecs pour bouffer des bons becs dégueulasses, ils se font chier. Hein. Oh. Wouah, ça a failli être le drame, mon gars. Bon, on va dire que c'est bon. Parce que sinon, je vais tout. Je le mets comme ça en attendant. J'ai léché un truc, c'était pas bon. Là, je vais mettre de l'eau dedans et je vais rajouter le dernier sachet. Oh là là. Ça me donne pas du tout envie. Hein. Non, ça pue la fraise. Ouais, t'as vu? Oh, ça sent... Non, mais franchement, ça sent vraiment... Ça a la même odeur qu'un médicament que je prenais quand j'étais petite. Et maintenant, je dois... prendre mon petit pochoir, j'avais fait un trou dedans. Je ramène tout là où il y a le trou. Si j'y arrive. Et je me fais des espèces de petits. Je crois que c'est pour faire des pâtes en fait. C'est pas vrai. Oh putain, ça ressort par en haut en fait. Je suppose que ça, c'est à mettre par-dessus, parce que c'est ce qu'on met dans la soupe. Ça, c'est pour faire l'œuf, et ça, c'est pour faire le petit Naruto, là. Et voilà! Eh bien, bon appétit! Les ramen sont prêts, on a même les petites baguettes. Ah, c'est des baguettes, c'est bah, pas des cure-dents. Je pense, vu qu'il y en a deux, mais c'est des cure-dents, quoi. Vu qu'on a des petites baguettes là, on peut manger comme ça avec notre petit ramen, notre petit ravioli qui ressemble pas à un ravioli. Et par contre, je dois avouer que ouais. Putain, par contre, j'avais des baguettes comme ça, mon gars. Ça ressemble, tu vois. Quand tu regardes dedans, ça ressemble vachement à des ramen, quand même. Par rapport à ce que c'était au départ. J'avoue. Ils ont géré. Ça donnait pas confiance. Non. Bon, je me jette à l'eau. Par contre, à la base, c'était de la poudre. Oui. Avec de l'eau, donc c'est pour ça que je me jette à l'eau, je goûte. J'ai tellement pas envie de goûter ça, mon gars. C'est dégueulasse. c'est dégueulasse. Ça a un goût chimique, mais de ouf. T'aimeras peut-être parce que ça a vraiment le goût de bon bec. Ouais. Je vais goûter l'œuf. Je vais goûter la pâte là. Ça a la même odeur de fraise. Ah oh. Mi fraise, tagada, mi citron. J'arrive pas à savoir, mais c'est super. Hein. C'est super dégueulasse. Ça, j'ai vraiment pas envie. C'est vraiment le truc qui me tentait le moins. Là. En plus, j'ai goûté la pâte et j'aime pas la pâte. Mais alors là? Vas-y, vomis, je t'en prie. Ça passe mieux. Comme ça. Ah bon? J'ai pas l'air convaincu. Ah oui. Ça a vraiment bouché. Ah ouais, c'est ton tour. C'est mon tour. Ça a l'air tellement... Cette merde. Oui, t'as vu, c'est chaud, hein. Les mini cure-dents en tant que baguette.
Comment ça, ça a pas de goût? Prends-en un autre. Je vais prendre le petit Naruto. Mais c'est super bon. C'est vrai? Non. Bah, putain. Ça fond, c'est super bizarre. Ouais, je t'ai dit, ça passe mieux comme ça que tout seul. Tu m'en ravasses? Ah non, moi je mange de fini, hein. T'aimes bien? Ouais, bah, c'est bon. Putain. Bah ouais, bah comme quoi il faut aimer les bonbons. Mais si t'aimes les bonbons, bah t'aimes ça. Ouais, j'en achèterai pas d'autres, hein. Non, c'est clair. Par contre, c'est bon. Les quoi, les pâtes? Ouais. Les pâtes, t'aimes pas? Ça a pas de goût. Les... Bah, mais si, ça a le même goût, je trouve. Mais vu que tu manges de l'eau froide, hein, c'est bizarre. On va goûter un truc normal. Ok, bien. Pringles. Normal, citron vert. Les Pringles ou le citron? Ça a l'air d'être au citron vert. Ouais, j'ai l'impression aussi. Vu qu'il y a le dessin dessus. Le citron. Ah, ok, il y a des trucs de bouffe dedans. Il y a un bien qui sort. C'est comme des boîtes. Hein. C'est pas citron vert. Ouah, mais ça sent pas du tout le citron? Non, mais ça sent des espèces de chips un peu fumées en fait. C'est pimenté. Ouah, mon gars! Ah! Ah, ça maman! On dirait du paprika, mais violent! C'est un truc du Brésil, pardon. Ah putain, mais c'est bon, mais c'est c'est violent quoi. Mais c'est menteur, mais pourquoi ils mettent un citron devant? Ils mettent un citron dessus et c'est... Non mais on dirait un truc genre au paprika ou au piment, mais pas du tout Ah, moi ça m'arrache. Moi je supporte très mal les T'en veux une autre? Non, j'aime pas penser pis. Non, mais bon, ok. Ok. Ensuite, ça c'est quoi? C'est des espèces de chips C'est comme ça. Ça ressemble à des petits... Ah mais elles sont grandes. Ça a l'air... Ça ressemble un peu aux cookies, aux algues que j'achète, tu sais. Ah, c'est sec. C'est vraiment... Oh! L'odeur de poisson! Ouais. Moi j'aime bien. J'ai aucune idée de quoi c'est, mais... C'est le poisson. C'est pas terrible. Moi j'aime bien. Un peu... Ça je le mange sans aucun problème. Oh, des donuts. Ça c'est des petits beignets avec du sucre dessus. Je pense que c'est sucré. Je pense que c'est sucré. Donuts. Ah, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Qu'est-ce que ça sent? Ah, ça, ah, ça sent la... Bah, ce sent le sucre. Ouais, c'est un peu. Une cuillère de Nutella à chaque fois. C'est des... on dirait des petits sablés au sucre. C'est pas mauvais. Ça va. Alors ça. Ah oui, c'est l'espèce de truc, je savais pas ce que c'était. On dirait un espèce de beignet. Et là, on dirait du... Je sais pas si c'est du poisson ou du gingembre. Là. Ouais, il y en a qu'un seul. Hein. J'aime bien. C'est salé. On dirait les espèces de... Oh! C'est... Ah non, j'aime pas, c'est épicé en fait. Tu le sens pas du tout au début, mais plus t'attends et plus tu le sens. Enfin, c'est bon. Ah, mais c'est épicé. Elle est où l'eau? Moi je sens pas l'épice. Il y a des morceaux d'épice. Je sais pas, mais j'ai senti un truc super épicé. Ou alors c'est le...
Ou alors c'est ça qui est revenu 3 heures après, mais... C'est un peu épicé. T'as vu? Non mais en soi c'est bon, mais le côté épicé, j'aime pas. Mais non, c'est bon. Ça ressemble un peu au beignet aux algues que j'avais déjà acheté. Enfin, c'est des chips. J'aime bien. Ça, c'est des Kit Kat. Oh, tu peux écrire derrière. C'est tout. Ah, on peut écrire derrière? Non, je savais pas que c'était pour écrire. Il y en a deux des comme ça. On va en prendre qu'un seul. Hein. C'est les mêmes. C'est les deux mêmes. Bah, vas-y. À mon avis, ça doit être. Moi, je pensais que c'était chocolat noir. Parce que le packaging était tout noir. C'est chocolat noir. J'aime pas le chocolat noir déjà. Bah je vais. Je vais pas tout manger. Bah t'as un KitKat au chocolat noir, il est spécial. Ouais. C'est un KitKat, mais moins bon parce que c'est au chocolat noir et j'aime pas le chocolat noir. Les fans de chocolat noir vont sûrement adorer. Bof, bof. Ah celui-là c'est moi qui l'ouvre. Je vais garder la boîte. C'est Pikachu et j'ai supposé que c'était des Mikado. Je pense hein, qu'il a la forme. Et comme c'est blanc, je me suis dit que c'était peut-être vanille. J'ai vu qu'il y a des herbes dessus. Mais... Je sais pas si c'est des herbes. Ah c'est pas blanc du tout. C'est gris en fait. Ouais mais c'est peut-être cheveux blanc. C'est gris avec des espèces de petites taches noires dessus. J'ai déjà senti ça, je sais plus. L'odeur là, ça m'évoque trop quelque chose. Mais je sais plus quoi. Ça a pas de goût du tout. Par contre, c'est trop mignon parce qu'il y a des. Il y a des petits Pikachu sur le. Sur le sachet. Regardez les petits Pikachu. Les petits Pikachu, les petites Pokéballs et les petits éclairs. Et maintenant, Kitty aussi, elle va goûter. Ouais. Bah ouais, regarde. Pour une fois. Allez, Kitty. Un des sachets. Ah, oh, mais c'est le premier que t'as pris celui-là. Alors, en premier, tu vas regarder ce qu'il y a là, c'est ça? Coller, Bah c'est pour pas coller la pique. Pour un super jeu qui n'existait pas en France. C'est vrai. C'est un jeu que on vend d'accord. Ah oui grave, là il y a le dessin. Tu mets ta carte dans une dans un lecteur. Tourne la carte, s'il te plaît. Voilà. On voit que la carte, on doit la mettre dans une borne. Mais après... C'est Dragon Ball Heroes. Monsieur. De toute façon, c'est juste au Japon. Et c'est quoi le principe? Aucune idée. Oh non, mais ça sent totalement le fromage. C'est le chips au fromage. Moi j'aime bien. Ensuite, ça ressemble aux petites boules de fromage en fait que vous achetez en magasin. On a une super pyramide. On dirait des petits berlingots. Je trouve que c'est des dessins de balles. C'est des balles. D'accord. Des balles de revolver et tout comme ça. Moi je pensais à des chenilles, mais ok. Ah non, voilà, des chenilles, t'es ouf. Tu veux une chenille? Non, je veux une balle de revolver. Non, je veux une balle de revolver. C'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. C'est bon. Ah! J'imaginais pas une texture comme ça. Il y a pas beaucoup dedans. Il y a vraiment que du chocolat autour et à l'intérieur c'est du petit sablé.
Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, dedans, il y en a quoi? Il y en a... T'en as mangé 3? Ouais. J'en ai mangé 2. Je sais pas. 6, 7... Mais il y en a 8 dans un paquet, quoi. C'est vraiment tout petit. Ensuite. Ensuite, ça. Je vais prendre la rage, de toute façon, on s'en fout. Moi, je vais reprendre des chips à gumball. Non, je vais prendre des chips comme ça. Celle-là, tu les avais pas aimées. Super poster. Il y a que ça ou il y a un truc alimentaire dedans? Son Go, on voit pas le coup. Il y a le la jambe qui cache. Oh non. Et tu l'as posé sur le truc de... Le poster est joli. Je te dis ce que c'est ou je te le découvre? Bah, je sais ce que c'est. Bah, je veux découvrir alors. Dis pas, toi tu sais ce que c'est? Ouais. Pourquoi il y en a... Il y a plusieurs goûts. Ouais, mais pourquoi il y en a trois du même goût et une du... Mais c'est pas la même couleur. Il y a trois couleurs différentes. Hein. Ah bon? Oui. Bah, pour moi, c'est trois jaunes et une rose quoi. Non, non. Ah bon? Là, elle est plus foncée, plus claire. Et là, elle est jaune, là, c'est vert. Enfin, donc, il y a combien? Ça, c'est plus clair, un peu plus foncé et encore plus foncé. Donc, il y a... C'est que des goûts différents? Exactement. Mais du coup, on pourra pas goûter tous les deux ou on fait moitié-moitié? Non, non, mais prends-en un. J'en prends n'importe lequel? Ouais. C'est lequel que tu es susceptible de pas aimer? Je sais pas. Peu importe. Mais un chewing-gum? Oui. J'étais en train de penser. On dirait les chewing-gums dégueulasses là que j'ai acheté, on dirait ça en fait. Non, ils sont moins liquides. C'est pas bon. C'est vrai? Je pense que c'était peut-être le mien. Bah, oui. Il y a que ça? Ouais. En fait, c'est une boîte énorme pour 4 petits chewing-gums et un grand poster. Ouais, bah, c'est pas. C'est chimique quoi. C'est un chewing-gum. Ah, tu vas jeter la boîte! Carrément, ouais. D'accord. Ensuite. J'ai un paquet de cigarettes au chocolat. Avec une voiture facile. Hein. Moi, j'ai supposé que c'était des petits cœurs, tu vois. Parce qu'il y avait des petits cœurs derrière, donc je me suis dit que c'était peut-être des petits cœurs au chocolat. Non, non plus. C'est des petits cœurs. Qu'est-ce que c'est? C'est des bonbons? C'est des bonbons. Genre Harlequin? Genre. Ah, ça sent pas bon à l'intérieur, on dirait de la pâte à ballon. Enfin, c'est ça. Genre méga dur. Oh là! Je crois que c'est au lit. C'est le canonique, il y a plein de maisons. Ça se suce bien. Quoi. Faut pas les mordre, faut les sucer. Ouais. C'est pas mauvais. Moi je trouve que c'est agréable. Bon, du coup, tu vends un Kinder. Un Kinder sans chocolat. Ah, mais c'est une balle sautante. Ah, c'est vrai? Ah, oh, elle fait pouic pouic! C'est pas une balle sautante. Ah, oh, je sais même pas si c'est le grand-père le chien. Non. On va pas du tout voir ton visage, tu sais, à toi. Tu mets tout le temps. Ah. Je crois qu'il s'en fout. Oh, bah, il faut le garder déjà. Hein? Elle est déjà sous le canapé. Elle est déjà sur le canapé? Sous le canapé. Non! Si. Elle a à peine touché le sol, elle est déjà sous le canapé. Et le dernier. Alors. C'est un panda. Là, quand tu touches, tu sens que c'est un panda à travers, donc j'ai supposé que c'était le même truc que le couvert. Bah oui, c'est ça. Moi, j'aime bien ça. D'habitude, j'aime pas les bonbons, mais celui-là.
C'est moins sucré que du caramel. En fait, on dirait un bonbon au caramel, mais beaucoup plus doux. Et c'est... ça sent le chocolat. C'est parfait, je vais le mettre de côté. Je le reprends après. Et on a eu le panda mystère. Ah, différents petits... Ouais, il y en a en point d'interrogation. Et c'est celui-là, celui-là avec les yeux en cœur. Le petit panda mystère. Avec le petit cœur dans les yeux. Et là, si on regarde... c'était les différents qu'il y avait. Et nous, on a eu le mystère, point d'interrogation. Eh bien, je vais goûter. Oh, ça sent pas bon. Ça sent le thé, en fait. Je pense que c'est du tout thé. Je pense que c'est au thé. Oh. Thé vert. De ouf. C'est pas bon. J'adore le thé vert, mais en bonbon. Je trouve ça vraiment pas bon. C'est sucré, mais il y a un goût de thé, mais... oh mon Dieu. Je vais finir mon bonbon Milky, là. Alors, dis-nous ton top 3. Qu'est-ce que tu as préféré? Top 3? Ouais. En premier. Ça, c'est bon. Ça, c'est ton premier? Montre bien. C'était Chipteur au fromage. Ouais. Ça, t'as aimé? En premier. Partout. Première position. Ensuite. Presque plus d'ailleurs. Ouais, parce qu'on est en train de tout manger. Ça aussi c'est bon. Deuxième position. Exactement. D'accord. C'est juste des gâteaux avec du chocolat. Ouais. Et en troisième position. On est en troisième position. Ceci. Donc ça n'a aucun goût. Et c'est super. Si, c'est sucré quoi. Mmh. Ok. Eh bien, on a en première position au fromage aussi. Là, j'ai bien aimé. En deuxième position, les espèces de chips au poisson là. Moitié morue. C'est toi la morue. Et en dernière position. Et en troisième position. Franchement, c'est compliqué. Mais je pense que je vais mettre les Milky. Parce que d'habitude, j'aime pas du tout les bonbons. Et là, c'est une très bonne découverte. J'aime bien. C'est des bonbons au caramel, mais en fait, non, c'est au lait. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus doux que du caramel. J'aime pas le caramel. Et là, enfin, ça, j'adore. J'aime bien. C'est n'importe quel goût, c'est génial. Non, si, ça a du. Mais ça, c'est comme les bonbons au caramel. Tu les laisses fondre dans ta bouche, tu vois. Ce soir, c'est Noli qui a fait à manger. Il a fait des pâtes. Et voilà les achats pour ce week-end. Donc j'ai tout emballé. Bon, ça j'ai demandé au monsieur de l'emballer directement. Mais sinon, j'ai tout emballé. Il est 21h10. J'ai fini de monter le vlog d'hier. Et Noli a fait la valise. Donc tout ça, c'est prêt. Il reste plus que bah, qu'aller... Là, je vais finir de monter le vlog d'aujourd'hui. Et comme ça je mettrai les deux en ligne et ça sera tranquillou. Je vais pas prendre mon PC pour juste deux jours. Donc je monterai tout ça lundi je pense. Mais il y aura quand même deux vlogs, un vlog pour samedi et un vlog pour dimanche. Je vais me dépêcher de terminer le vlog et d'aller me coucher parce que demain on se lève à 5h30, 6h du mat. Il faut qu'à 6h30... du mat, on part de la maison vu que le train est à 7h30 à la gare d'Austerlitz. Du coup, moi je vous dis bonne nuit. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque jour. Il est bientôt 5h du matin. J'ai fini mon sport. Ça m'a bien fait transpirer, ça m'a bien crevé, mais ça m'a bien fait du bien. J'ai pris un bon bain.